Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre live de Crypto. Pas live, capsule de Crypto Crypteur. Aujourd'hui, on va parler de StarX, qui a eu une mise à jour genre sur le projet, un Ask Me Anything. Et, mais peut-être que ça vous fera pas un pli. Fait qu'on commence ça. Drette à l'heure. Bon, ben, c'est la gang. J'ai vu quelque chose passer. Merci à Maurice de m'avoir envoyé ça. Je ne l'avais pas vu encore passer. Il y a eu un Ask Me Anything. Demandez-moi n'importe quoi. Sur StarX, j'ai trouvé ça très intéressant. Pour ceux qui suivent StarX, parce que vous avez pris, vous, des notes aussi, je pense que c'est intéressant d'en parler, de dire les 35 questions en tout. On va passer un peu au travers des questions. Ça va être pas mal une lecture. Comme ça, si vous pouvez, vous pouvez faire votre ménage, votre vaisselle, travailler, m'écouter parler. Puis, on va passer au travers des questions. Je vais en laisser une coupe de côté parce qu'il y en a qui sont pas vraiment intéressantes. Mais sinon, on va y aller. Puis sinon, mais comme je dis, si ça vous intéresse pas, mais ça vous fera peut-être pas un pli. Pensez-y. Donc, question-réponse de la communauté du réseau StarX, octobre 2021. Donc, il y a eu des questions qui ont été demandées à StarX. Puis, il y a 35 questions qui ont été posées. Donc, on va passer pas mal au travers de la majorité des questions. Je trouve que c'est intéressant à savoir pour le projet. N'oubliez pas, c'est un projet qui est jeune. Ils sont toujours en bêta. Et je vais être franc, ça paraît aussi parce qu'ils ne semblent pas toujours très, très, très comme en contrôle de tout ce qui est les questions qu'ils vont nous leur poser. Mais en gros, c'est bon signe. C'est bon signe, je trouve. Fait que la première question qu'ils disent, quand pouvons-nous nous attendre à de nouvelles annonces d'échange? Ça, c'est vraiment une question très importante, plus que d'échange, plus que de liquidité. Et si vous avez des notes StarX, vous avez probablement remarqué qu'il y a un moment dans le mois, il y a beaucoup, beaucoup de pression à la vente. Donc, plus que de rats d'échange, plus que rats d'argent, de liquidité, ce qui fera en sorte que ben, on va peut-être bien moins voir de fluctuations de prix. Donc, la réponse, c'est nous avons reçu plusieurs demandes pour répertorier les jetons SRX dans divers échanges non descriptifs ou échanges. Qu'est-ce qu'il veut dire par non descriptif en anglais? C'est non-descript exchange ou top tiers, top des échanges de niveau 3. Pour maintenir la qualité de notre projet, nous avons délibérément pris la décision de répertorier SRX uniquement avec des bourses de niveau 1 et de niveau 2, ce qui, à son tour, contribue à atténuer les problèmes de liquidité. Jusqu'à présent, nous sommes sur la bonne voie pour répertorier StarX avec deux bourses réputées et nous prévoyons d'être entièrement intégrés d'ici la fin de ce mois-ci ou début novembre. Nous sommes heureux de vous informer que nous allons terminer des procédures importantes de notre côté. Nous avons terminé les procédures importantes de notre côté et nous attendons maintenant que chaque échange signe les choses de leur côté. Une fois que cela sera gravé dans le marbre, nous pourrons faire l'annonce officielle à notre communauté. Malheureusement, ce retard est dû au processus extrêmement long de conformité et de diligence raisonnable suivi par chaque bourse. Les jetons populaires ont la priorité sur les autres. C'est pourquoi nous encourageons les membres de notre communauté à nous mettre en contact avec n'importe quelle équipe de référence, d'échange et à gagner des primes. Donc, c'est un bon signe. Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup. Deux autres échanges seraient parfaits, je crois. Parfait, parfait, parce que ça maintiendrait les prix plus à flot. Parce qu'après ça, si ça descend trop d'un bar, les gens vont acheter et vont envoyer à l'autre pour vendre plus cher, fait que ça va toujours se rééquilibrer. Quels sont les nouveaux développements en cours chez StarX? Aussi, quand pouvons-nous nous attendre à avoir des annonces de partenariats? À l'heure actuelle, nous travaillons actuellement avec deux partenaires différents. Les deux ont rejoint l'équipe à la fin du mois dernier et il est actuellement prévu qu'ils commencent à tester notre plateforme. En raison de divers NDA, ça veut dire Non-Disclosure Agreement, ce qui veut dire on n'a pas le droit de parler, on a signé. Nous ne sommes pas en mesure de révéler leur nom à ce stade. Nous révélerons les noms une fois les tests terminés et les choses formalisées de leur côté. En dehors de cela, nous sommes également en pourparlers avec quelques autres clients pour les intégrer bientôt à notre plateforme. Alors, restez à l'écoute pour plus d'informations. La prochaine question, je la trouve aussi intéressante. Dans la section 8.1 du livre blanc, il y a une brève mention d'un mécanisme de preuve de brûlure.
quand ils brûlent les tokens, parce que dans ce cas-ci, c'est un token, ouais, pour éliminer les jetons de la réserve. Pouvez-vous, s'il vous plaît, développer sur la façon dont cela fonctionnera? Nous comprenons que les gens sont préoccupés par le taux d'inflation et ont demandé une brûlure symbolique. Nous prévoyons de rendre l'écosystème StarX autonome, ce qui signifie qu'une fois sur le réseau principal, nous chercherons à planifier et à démarrer une gravure de jetons en fonction des revenus générés par toutes les ventes de stockage au sein de l'écosystème. Et je veux juste aller voir gravure, c'est ça, c'est plus de la brûlure de jetons. Donc, c'est bien, ils prévoient brûler des jetons avec leur système avec inflation. C'est une bonne nouvelle aussi en soi. Pendant les tests bêta, combien de nœuds votre équipe détermine-t-elle qui seront nécessaires pour disposer d'un produit StarX Data aux performances optimales? La demande de stockage de données, ça c'est la réponse, la demande de stockage de données augmente de façon exponentielle dans le monde entier. En plus de l'architecture de réseau décentralisée, plusieurs copies de données sont requises sur différents nœuds. Par conséquent, nous ne cherchons pas à limiter le nombre de nouveaux nœuds de stockage à l'écosystème. Quand il parle ici, plusieurs copies de données sont requises sur différents nœuds, c'est que le principe avec StarX, c'est simple. Mettons, on prend une photo. La photo est comme décortiquée en plusieurs... Mettons, prenons un puzzle. Prenez la photo, vous faites un puzzle. Le puzzle est décortiqué en plusieurs pièces. Et chaque pièce est envoyée sur un nœud. Mais il faut qu'il s'assure que la même copie du même pièce, la même pièce de puzzle qui soit sur plusieurs nœuds, comme ça, si le nœud arrête de fonctionner, mais les autres peuvent toujours redonner la partie manquante pour compléter le puzzle. Avez-vous des plans pour une utilisation future du token en plus d'acheter du stockage et des nœuds? Pour le moment, nous nous concentrons uniquement sur l'achat de stockage et de nœuds. Si les membres de la communauté ont des suggestions intéressantes, bon, tu vois, ça fait partie des questions que je trouve pas vraiment intéressantes à dire. Il n'y a pas vraiment de réponse. StarX envisage-t-il un partenariat officiel avec le réseau Xenfin? Très bonne question. L'équipe Xenfin XDC nous a beaucoup soutenus depuis notre création. Nous explorons toutes les possibilités avec XDC ainsi qu'avec ses partenaires. Comme cela n'en est qu'à ses balbutiements, nous ne pouvons pas annoncer publiquement cette information à ce jour. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à souligner là-dedans. Peut-être certains partenaires de Xenfin pourraient rentrer dans StarX. Intéressant. Parce que moi, je vois ça aussi comme, vu qu'on a une plateforme de stockage décentralisée sur Xenfin, et Xenfin est déjà bien implanté avec des gros nombres, ben, ça leur permet peut-être de mettre certaines informations sensibles sur un système déjà adapté à Xenfin. Je trouve ça intéressant. Okay. Donc, prochaine question. Quel plan avez-vous pour proposer StarX au marché des données d'entreprise? Un saut de style S3 est-il une option disponible? Je connais pas ben c'est quoi que ça veut dire un saut de style S3. Quand j'ai cherché, ça semble avoir rapport beaucoup, en tout cas, avec Amazon et une de leurs façons de faire. Donc, je pourrais pas vous l'expliquer en détail, mais c'est à rapport avec Amazon. J'ai vu, quand j'ai cherché, c'était juste du Amazon, j'avais comme réponse. Et aussi après, ils disent, qu'en est-il de l'IPFS? L'IPFS, Interplanetary File System, donc un système de fichiers interplanétaires des PME. Donc, je reprends la dernière question. Qu'en est-il de l'IPFS des PME? En outre, quels sont les plans pour attirer le marché des entreprises ainsi que le marché des petites entreprises au-delà des simples consommateurs? Donc, la réponse, c'est notre plan actuel est de créer une solution robuste, puis de la proposer sur un marché des entreprises. Nous travaillons également sur divers outils /API pour aider les utilisateurs à migrer de manière transparente les données de d'autres sources comme Amazon Web Service, Dropbox, etc. Nous les lancerons par phase. Un saut S3 style est sans aucun doute dans nos plans, mais pas une priorité à ce stade. Après ça, la prochaine question, question numéro 8. Fait qu'il reste quand même une coupe, hein? Les récompenses annuelles actuelles de 9000 SRX seront-elles réduites sur toute la ligne? Ça, c'est une question qui va vous intéresser.
Où pouvons-nous nous attendre à des récompenses actuelles pour les années à venir? De plus, qu'en est-il de permettre aux utilisateurs de réclamer des récompenses plus fréquemment que mensuellement? Donc ici, il faut retenir quelques petits points. 9000 SRX divisé par 12 mois, grosso modo, prenez pas 750 comme chiffre, c'est 744 à peu près, si je me trompe pas, de récompenses SRX par mois. Ce qui est quand même, au prix actuel, même s'il a baissé, là on est rendu à SRX, on est rendu à 1,71, il y a eu une drop. Donc 750 pour 1,71, c'est quand même correct, même s'il a monté à 4,50$, c'est quand même correct comme récompense. Mais est-ce que ça va tenir la ligne tout le long? Donc c'est ça un peu la deuxième question, pouvons-nous nous attendre à des récompenses actuelles pour les années à venir? Et qu'en est-il de permettre aux utilisateurs de réclamer des récompenses plus fréquemment que mensuellement. Et ça c'est directement le fait que, comme je disais tantôt, il y a une pression à chaque mois, environ la même semaine, parce qu'il y a eu tellement de nodes qui se sont créés dans la même semaine, slash deux semaines, que rendu là, la pression à la vente, elle est incroyable. Incroyable. Ceux qui ont rentré après ma vidéo, vous êtes pas mal bien placés, soit dit en passant. Nous avons reçu de nombreuses suggestions demandant que les récompenses soient payées hebdomadairement ou quotidiennement plutôt que mensuellement. Nous envisageons de créer un modèle autonome pour l'écosystème StoreX, ce qui signifie que les fournisseurs de nœuds et de stockage seront payés à partir des frais de stockage totaux perçus lorsque les utilisateurs paient pour le stockage sur la plateforme. Parce que quelque part, pour pouvoir mettre des choses sur le cloud décentralisé de StoreX, vous payez en StoreX. Donc, une partie de ces StoreX-là devrait techniquement, dans un futur, revenir à ceux qui ont des nodes. Mais est-ce que le 9000 SRX par année va tenir toujours à ce moment-là? C'est une autre question. Actuellement, les utilisateurs paient des frais d'hébergement mensuels, trimestriels ou annuels. Pour maintenir cette norme, nous avons conservé les récompenses de stockage mensuellement. Beaucoup de membres de notre communauté sont préoccupés par l'inflation symbolique et la volatilité des prix autour de la période de paiement. Nous envisageons également de réviser la structure d'incitation des récompenses d'hébergement de 9000 SRX tokens par an. Et là, la prochaine phrase est importante. Nous prévoyons de réviser cela d'ici décembre 2021. Donc, qu'est-ce que ça va être? On ne sait pas encore, mais on va avoir des nouvelles bientôt. J'espère que ça va rester positif. Nous tiendrons notre communauté au courant. Nous accueillons les suggestions des membres sur la manière dont les récompenses d'hébergement pourraient être réorganisées. Bon, on va voir si StoreX va se maintenir dans le temps, en d'autres termes. Comment voyez-vous StoreX par rapport à d'autres services de fichiers décentralisés basés sur la cryptographie? Et qu'est-ce qui distingue StoreX de ses concurrents? Notre écosystème a planifié autour des consommations, est planifié autour des consommations. Et nous prévoyons d'offrir une variété de solutions de stockage pour chaque niche. Nous encouragerions également la consommation des utilisateurs et révélerions ces plans une fois que nous serons proches du lancement du réseau principal. Qu'est-ce que c'est quoi la réponse exactement? C'est pas clair. Mais bon. On va voir. Et si vous avez des projets pour les développeurs sur le réseau SRX, cherchez-vous à étendre l'accès dont les développeurs disposent pour créer des applications et des services pour votre réseau? Oui, car StoreX est open source. Nous annoncerons les plans de la communauté des développeurs pour développer des applications autour de StoreX. Nous offrons des primes et une part de revenus des solutions conçues autour de StoreX. L'application StoreX Mobile est actuellement en phase finale de développement. Une fois terminée, nous effectuerons divers contrôles de qualité et lancerons peu après une fois que nous serons satisfaits de sa sortie. Plus de détails sur les primes de développeurs sont disponibles ici. Il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est que StoreX Mobile va sortir, ce qui va amener encore plus de gens sur le réseau.
Est-il prévu d'ajouter des fonctionnalités de surveillance aux nœuds, comme l'envoi d'alerte s'ils se déconnectent? Bon, ben là, je vais passer un peu outre cette question-là, parce qu'il n'y a pas vraiment une réponse très claire. Que fait-on pour stabiliser la volatilité du prix du jeton en raison des paiements mensuels? Vous voyez, il y a des questions qui reviennent souvent. Hein? Comme indiqué ci-dessus, nous observons la volatilité des prix autour de la période des paiements mensuels. Nous avons reçu de nombreuses suggestions précieuses à ce sujet. Nous envisagerons de réviser les récompenses. Cela sera annoncé aux alentours de décembre 2021. Comment les données sont-elles sécurisées du point de vue chiffrement? Et comment garantissez-vous la fiabilité des données en cas de déconnexion des nœuds? Réponse. Le stockage cloud décentralisé est sécurisé par son architecture unique et la création de plusieurs copies de données stockées sur différents nœuds, ce que je vous expliquais tantôt. Mais le risque de déconnexion des nœuds est individuellement présent. Une fois que nous passerons la phase bêta, nous prévoyons que tous les nœuds nous fournira un préavis d'au moins 15 jours avant de se déconnecter, je veux dire. Ce qui garantira que le nœud est répliqué avec succès ailleurs et peut à son tour empêcher la perte de données due à la déconnexion des nœuds. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que faut que vous compreniez que quand vous stackez vos SRX sur la node, il y a un délai avant de pouvoir les déstacker. C'est exactement pourquoi il y a un délai, c'est expliqué ici. En ce moment, ils vont le dire plus tard, c'est 7 jours. Mais là, ils prévoient de reprendre ces jetons pendant 15 jours. Et la raison, elle est très valable. Pourquoi ils veulent faire ça? C'est pour s'assurer que les utilisateurs ne perdent pas de données. Et ça, veut pas, c'est la base. Si tes utilisateurs ils perdent des données, ton système ne fonctionne plus. Comment StarX empêchera-t-il les prix de s'effondrer à l'avenir? Réponse, le prix est dérivé du marché. Nous n'avons donc aucun contrôle direct sur cela. Comme suggéré précédemment, nous envisageons de réviser la partie récompense et de réduire l'offre par la combustion de jetons une fois en ligne sur le réseau principal. Donc, il donne un petit peu plus de viande sur l'os, là. Parce qu'il dit, nous envisageons de réviser la partie récompense et de réduire l'offre par la combustion de jetons. Donc, brûler des jetons. Une fois que le réseau principal partira. Donc, à quelque part, on peut dire, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire par nous envisageons de réviser la partie récompense. Est-ce plus, est-ce moins, est-ce la même chose? On ne le sait pas. Mais réduire l'offre par la combustion, ça veut dire qu'on va créer une rareté un peu plus. Ou on va maintenir le 500 millions plus justement qu'avant. Donc, la prochaine question, elle est très intéressante parce que c'est vrai que, quelque part, tout le monde a fait leur nœud à peu près à la même place. Même moi, je vous ai préposé la même place. C'est Contabo, si je me souviens bien. Que fait-on pour encourager l'hébergement de nœuds dans des endroits séparés? Nous avons actuellement un grand pourcentage des nœuds hébergés dans un seul centre de données, Contabo, en raison d'un guide qui utilise ce fournisseur. Ça, c'est quelqu'un comme Blockchain 22 ou moi qui vous a parlé de Contabo. Ce n'est pas une situation saine puisqu'un seul événement pourrait potentiellement entraîner la panne d'une grande partie de la ferme de stockage. C'est une très bonne question. Nous avons eu ce problème plus tôt, mais nous voyons maintenant de nouveaux nœuds configurés à différents endroits chez différents services. Nous continuons d'encourager les membres de notre communauté à lancer des nœuds à différents endroits et nous chercherons à encourager cela si les gens prennent cette initiative. On ne peut pas faire grand-chose, mais à part de ça, c'est juste allez-y ailleurs, ça va juste nous aider. En d'autres termes, en gros, c'est ça. Selon votre feuille de route, le réseau principal devrait être mis en service au premier trimestre 2022. StarX est-il toujours sur la bonne voie pour y parvenir? La réponse est oui, actuellement, nous sommes sur la bonne voie pour réaliser la transition vers le réseau principal au premier trimestre.
Il semble que la feuille de route sur le site web ne soit pas mise à jour. Avez-vous l'intention de la mettre à jour? Oui, ils vont la mettre à jour. En gros, c'est ça. Que fait StoreX pour commercialiser cela auprès de l'utilisateur final afin d'augmenter à la fois la clientèle de détail et d'entreprise? Réponse. Nos équipes sont impliquées dans de multiples réunions en ligne avec les entreprises clientes. Nous demandons aux médias de couvrir des histoires pour atteindre la clientèle potentielle de détail. Nous avons également mis en place un programme de partenariat à intégrer avec la clientèle des entreprises. L'équipe média de StoreX fera des annonces publiques sur les partenariats réussis dans un avenir proche. Donc, allez écouter, là. Il y a plein de bonnes nouvelles qui s'en viennent. Est-ce qu'ils vont arriver? C'est une autre histoire. Mais là, pour l'instant, ils nous annoncent qu'il y a plein de bonnes nouvelles d'ici la fin de l'année qui arrive. Donc, on va attendre. Quels sont les quelques principaux objectifs sur lesquels l'équipe se concentre d'ici la fin 2021 jusqu'à 2022? Et quelles mesures, le cas échéant, envisagez-vous pour les qualifier de succès? Ah, la réponse. Notre feuille de route reflète l'objectif du réseau StoreX. Nous avons l'intention de mettre à jour notre communauté en utilisant la newsletter communautaire et d'autres AMA à intervalles réguliers. En d'autres termes, NADA. Ils sont sur la feuille de route. 20e question. StoreX a un niveau gratuit minimal de 2 gigs. Oui, vous pouvez utiliser 2 gigs de données décentralisées gratuitement. Mais comment gagner en adoption lorsque, par exemple, Google offre 15 gigs gratuitement? Qu'est-ce qui différencie StoreX? C'est une très bonne question, puis là, je vous avoue, j'ai aimé la réponse parce que c'est un peu ce que je trouve qui est intéressant avec StoreX, PAC et compagnie. Google propose un hébergement centralisé. C'est juste ça l'explication. Chez StoreX, nous fournissons un cloud décentralisé qui n'est soumis à aucune censure ou restriction. Les utilisateurs recherchent des options pour s'éloigner des géants mondiaux et se libérer de la manipulation des données. Et voilà. Y aura-t-il un lien ou une zone disponible pour les préoccupations des clients, qu'il s'agisse de la question... Nanana, bon, bien sûr, on va passer. Service à la clientèle, je m'en fous un peu. Pour vrai, ça ne dit pas grand-chose. Les clients pourront-ils payer le stockage à l'aide de solutions de paiement fiduciaire? Et ça, c'est une bonne question parce qu'on peut juste payer en StoreX en ce moment pour avoir de l'espace de stockage. C'est-à-dire par carte ou virement bancaire avec des conversions automatiques en SRX, compte tenu de la grande majorité du marché qui n'est pas encore converti en crypto. Et voilà, c'est une très bonne question. Nous n'avons pas encore de mise en œuvre de ce type, car la version payante de StoreX n'est pas en ligne. Cela étant dit, nous ajouterons cette question à notre liste de suggestions. Mais ce qui est drôle, c'est que plus tard, ils vont y répondre. La question à Mourad. Je vais l'appeler la 23, la question à Mourad. Si Mourad, tu m'écoutes, je te salue. C'est ta question. C'est de là que Mourad a tout son questionnement à propos de StoreX et qu'il lève des doutes. Et moi, en tant que tel, je n'ai rien contre les gens qui amènent des questionnements dans la vie. C'est très sain. StoreX a fait un split, V2. StoreX a fork StoreG V2. StoreG a abandonné la V2 et migre complètement vers sa nouvelle V3, version 3. StoreX a-t-il identifié et ou résolu les problèmes rencontrés par StoreG avec la version 2? Oui, nous avons identifié des problèmes dans la V2 de StoreG et l'équipe technique travaille sur ces problèmes complexes. Les solutions seront testées dans cette phase bêta avant de mettre la plateforme en ligne. Mais là, c'est là que j'ai un petit questionnement parce que Mourad, lui, il semblait dire qu'ils avaient seulement pris la V2. La V1, je veux dire. La version 1 et non la 2. Puis ça avait demandé pourquoi vous n'avez pas pris la 2. On a une partie de l'explication, mais ici, il semble nous dire qu'ils sont sur la 2. Y a-t-il un update depuis ce temps-là? On ne sait pas. Mais c'est bien de se poser ces questions-là. Hein? C'est un investissement qu'on a fait. Vous en recevez des bénéfices, mais on va-tu l'avoir pour toujours, ces beaux bénéfices? Ça, c'est une autre question. En attendant, j'espère que tout le monde va être capable de se payer. Tous ceux qui ont parti de Node après que j'avais fait ma vidéo tutoriel, c'est sûr que vous êtes payés. Mais il y en a qui ont payé cher, là, Node. Très cher. Bon. Comment comptez-vous rendre le prix compétitif?
À l'heure actuelle, Google, Dropbox et iCloud sont nettement moins chers que les prix actuels. J'imagine que c'est de StorX qui parle. La réponse. Pour l'instant, tous les prix indiqués sur notre site web sont des espaces réservés. Le prix mentionné sur le site sera dynamique en fonction d'un prix fixe en USD. Comme ça, c'est là que je vous dis qu'ils répondent plus tard à la question. La mise à jour se reflètera sur le site web après les tests et avant la mise en ligne de la plateforme. Donc, ici, ils nous disent qu'en gros, ils vont se fier à un prix en USD. Genre, mettons, qu'ils disent 10$ US. Puis après ça, ça va être StorX par rapport au prix en USD ce jour-là. Peut-être que l'autre question, c'était vraiment comme, est-ce qu'on va acheter des cartes de crédit pour tout de suite faire la conversion avec StorX? Peut-être bien là la différence entre les deux réponses. Mais en gros, ils vont mettre un prix fixe en USD parce que là, présentement, ce que j'en comprends, c'est juste en CRX, c'est fixe. La prochaine question, je pense pas que ça va vraiment être intéressant. Ils nous parlent des services VPS versus ceux qui ont fait des services à l'ordinateur. On va passer pour gagner un peu de temps. Votre modèle économique favorise un stockage crypté, décentralisé, sécurisé et secure. Parce qu'en anglais ici, ça dit secure and safe. Donc, sécurisé et sécurisé. Cela représente potentiellement un refuge pour stocker du contenu illicite illégal. Ça, c'est une bonne question. En tant qu'opérateur de nœud, nous n'avons aucune idée de ce qui est téléchargé. Dans quelle mesure sommes-nous vulnérables aux poursuites? Et la réponse, tous les hébergeurs, y compris les géants mondiaux comme AWS, Azure, AliCloud et Dropbox, sont sujets à ce risque, ce qui signifie qu'aucun fournisseur de services ne peut se protéger à 100% contre cela. Et je ne suis pas un avocat, mais je rajouterais aussi que le fait que ce soit décentralisé et mis en plusieurs pièces de puzzle partout, c'est un petit peu difficile, toi, en tant qu'hébergeur, de vraiment savoir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. T'sais. Même si tu voudrais le savoir, tu pourrais juste pas. 27. Que pouvons-nous faire en tant que membre de la communauté StorX pour contribuer au succès de ce réseau? Ben, en gros, ils vous disent que des programmes de récompense, si vous voulez, les aider en tant que tel. Mais bon, il n'y a pas vraiment de bonne réponse là-dedans. Ça ne sert à rien un peu de lire ça. On va passer à la prochaine. À quoi ressemblent vos plans d'embauche pour faire grandir le projet? À court terme, allez-vous embaucher quelqu'un pour vous soutenir dans la communication? Oui, nous avons un plan et nous y travaillons actuellement. Nous ferions bientôt une annonce officielle sur nos réseaux sociaux communautaires. Donc, là, je vais amener ma bémol parce que, regarde, dans la vie, il faut dire les affaires comme elles sont. À chaque fois, on dirait qu'ils ont une question, qu'ils n'ont pas vraiment la réponse. C'est comme, genre, on vous en revient bientôt avec la réponse. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est toujours bien, hein, soit dit en passant. Fait que, tu sais, disons les choses comme elles sont. C'est un projet bêta, puis je pense que peut-être qu'ils se sont fait un peu dépasser par l'ampleur que ça a pris aussi, peut-être. Mais bon, donnons la chance aux coureurs. Moi, de mon côté, j'ai pas eu à me plaindre de StorX, pantoute. Pour moi, ça a été le meilleur retour d'investissement que j'ai eu depuis longtemps. Mais bon. Sinon, ça meurt dans l'œuf, ça mourra dans l'œuf. L'important, j'espère, pour tous vous autres, c'est que vous êtes payés. Mais bon, je veux pas non plus mettre ça plus dramatique que c'est. Je veux juste dire qu'à chaque fois, on dirait qu'ils nous amènent un petit quelque chose, tu sais. Ah, on va vous en parler bientôt. Moi, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas vraiment répondre. StorX dispose-t-il d'une équipe marketing distincte? Nous ne voyons rien à cet égard alors que le projet a un potentiel énorme. Notre objectif à ce stade est de créer une plateforme robuste. Ça, c'est cool comme réponse. Parce que c'est sûr, si tu n'as pas de plateforme robuste, ça ne sert à rien de faire du marketing dessus. Nous avons l'intention de bien tester la plateforme avant de nous lancer dans une commercialisation à grande échelle. Cependant, nous faisons maintenant la promotion de la plateforme à petite échelle avec notre équipe média interne. 30e question. L'approvisionnement pour les récompenses agricoles est-elle franchement frappée? Ou de quel approvisionnement provient-il? Puis là, la réponse, il faut que vous allez voir un peu c'est quoi qui se passe. Les récompenses d'agriculture sont frappées en plus de l'offre totale et peuvent être trouvées sur l'explorateur blockchain, puis vous avez le lien. Si on clique dessus, je pense pas qu'il va y avoir grand-chose que ça va nous dire.
Là, présentement, par exemple, on peut tout de suite dire qu'il y a 505 millions de SRX en tout. Ça, c'est quand même bien à savoir. Pour le reste, je pourrais pas vous dire. Lorsque nous désengageons, il y a un verrouillage de 7 jours où nous ne pouvons ni changer ni gagner de récompense. Existe-t-il un moyen de supprimer cette restriction? La plupart des projets qui offrent du jalonnement, du staking, il est assez facile de jalonner, de staker et de déstaker. J'aime mieux dire staker que jalonner. Réponse. Actuellement, cela fonctionne comme prévu. Nous avons besoin d'un préavis pour nous assurer que les données du nœud peuvent être migrées en toute sécurité vers d'autres nœuds. Legit comme réponse. 32e question. Quelle est l'offre circulante de SRX? Quelle est l'offre maximale? Donc, approvisionnement total égale 500 millions plus tous les jetons émis mensuellement pour les récompenses Torix Masternode. L'offre en circulation est d'environ 100 millions au moment de la rédaction. Donc, en gros, il y a 500 millions plus 5 millions qu'on vient de voir. Et là-dessus, il y en a juste 100 millions en circulation. Ça aussi, c'est bon. 100 millions, ça veut dire que c'est juste 20% qui circule. C'est pas mauvais pantoute. Lorsque la feuille de route indique réseau principal, cela signifie-t-il migrer vers son propre réseau loin de XDC? Non, StarX restera sur le réseau XDC. Le réseau principal sur le réseau StarX fait référence à la plateforme StarX passant de la phase bêta, test, au live net. Legit comme réponse, encore une fois. Dans votre récente annonce, vous avez dit « Nous avons été incroyablement occupé ces deux derniers mois, j'espère. Puis-je vous demander ce que vous avez fait? Construire des partenariats, travailler sur la plateforme StarX, toute information serait géniale. » Réponse. L'objectif ultime du réseau StarX est de fournir une plateforme sans bug à grande échelle à nos futurs clients. Nous sommes impliqués dans des discussions avec plusieurs bourses pour l'inscription de SRX, tout en se coordonnant avec les bourses cryptographiques qui ont commencé le processus d'inscription. Le test de la plateforme sur diverses conditions et la mise en œuvre de nombreuses suggestions sont en place. De plus, nous organisons des réunions avec plusieurs projets / clients potentiels pour les intégrer au réseau StarX et essayer de comprendre leurs besoins. La version d'application du lecteur est également mise en œuvre parallèlement aux mises à niveau de la plateforme sous la base de suggestions. La dernière question. Pour un projet de calibre avec un grand potentiel et une communauté solidaire, pourquoi l'équipe semble-t-elle si obscurcie? Si obscure, peut-être? Sur le site web de StarX, il semble n'y avoir que deux membres de l'équipe principale répertoriés. En tant qu'investisseur et contributeur de ce projet, nous souhaitons plus de transparence sur cet aspect. La réponse. L'équipe StarX se compose de pigistes très talentueux, de développeurs travaillant dans le monde entier qui ne peuvent pas divulguer leur identité en raison de leurs conditions générales pour le moment. Les multiples pigistes sont dirigés par une équipe de base qui ne cesse de croître. Nous cherchons à mettre à jour la page des membres de l'équipe ce mois-ci. Donc, il avait un peu à dire qu'il était débordé, puis qu'ils prennent des pigistes. En gros, c'est ça. Mais je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, en gros, j'ai bien aimé quand même voir ça. Il semble quand même avoir une certaine transparence dans le sens, ils sont jeunes. C'est une jeune équipe, c'est un jeune projet. Puis quand j'ai investi dedans, moi, je le savais. Je savais que c'était jeune, puis ça venait de partir. Je pensais pas que ça allait monter autant, pour vrai. Mais je le savais que c'était jeune, puis que c'était pas un gros projet. Là. C'était quand même un projet simple, là, de faire un cloud décentralisé. Je veux dire, c'est pas simple en soi, mais c'est simple quand même. T'sais, c'est pas comme plusieurs choses sous une même blockchain. C'est vraiment une blockchain, un jeton, un token qui fait que ça. Fait que c'est comme assez simple. Donc, en gros, moi, c'est le fun. Je suis content de savoir qu'il va y avoir probablement deux autres échanges qui vont arriver. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et qu'il semble avoir travaillé avec l'équipe de Zenfin.
C'est peut-être bien anodin, c'est peut-être bien pas grand-chose, mais pour moi, ça semble être intéressant aussi de ce côté-là, parce que je sais que là, à ce moment-là, il touche à des grandes entreprises qui n'auront pas peur peut-être de miser sur le projet, soit dit en passant. Et c'est ça. En gros, puis de savoir un peu qu'ils vont nous arriver avec une nouvelle récompense d'ici 2021, fin 2021, début 2022. Ça, avec, j'ai hâte de savoir. J'ai vraiment, vraiment hâte de savoir. Fait que c'était ça pour StoreX. Donc, si vous êtes resté jusqu'à ce moment, ben vous êtes chanceux. Parce que c'est une petite surprise que je gardais à ceux qui m'écoutaient au complet. Je vous ai gardé la petite surprise pour la fin. Dans mon titre, je disais quoi dans mon titre? Oups, j'ai perdu ma photo. Je disais, mais peut-être ça vous ne fera pas un pli. Pourquoi je dis ça de même? Parce qu'il y a un nouveau projet de Node qui arrive sur Xenfin. C'est pli. Plugin. Le ticker, c'est pli. Et là, on a eu l'annonce aujourd'hui chez BitTrue que le pli va rentrer en vote. Donc, si vous possédez des BTR, demain, soit jeudi matin, 7h, heure de l'Est, 11h, UTC, vous allez pouvoir voter avec vos BTR pour les plis. Donc, vous allez pouvoir vous avoir une partie de la récompense de 150 000 plis. Pourquoi c'est une bonne nouvelle en soi? Parce qu'en général, quand un jeton arrive au vote chez BitTrue, c'est bien rare qu'il passe pas. À ma connaissance, je me souviens pas de un qui ait jamais passé, soit dit en passant. Donc, demain matin, on va pouvoir voter, faire un peu de pli, et ça nous annonce que pli arrive sur BitTrue. Je voulais la nouvelle. Le plugin pli, parce qu'il s'appelle plugin, la nouvelle... Dans le fond, en gros, le plugin, c'est un oracle pour XDC. C'est super. Moi, pour moi, c'est une maudite bonne affaire. Avoir un oracle spécialement pour XDC, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose. Puis décentralisé, puis vous allez pouvoir participer dedans, moi, pour moi, c'est super. Comme vous me suivez un peu, vous savez que je parle de Node une fois de temps en temps. Vous avez resté à la fin parce que vous avez écouté SRX. Voilà, petite récompense. Donc, le plugin Pli entre dans le vote BTR avec 150 000 récompenses Pli Staking le 14 octobre, soit dit demain. Une autre opportunité de façonner l'avenir arrive sur vos genoux. Des traductions des fois. Car le 14 octobre à 11h UTC, nous lancerons une nouvelle série de votes BTR où vous pourrez apporter des plugins à BitTrue en utilisant vos avoirs BTR. Le Pli est un fournisseur de services Oracle décentralisé construit sur Xenfin Ecosystem. Les données entrantes et sortantes seront d'une qualité suprême. OK. Le plugin garantit la fiabilité des données provenant du monde extérieur. Les prix. Il résout les frais de gaz élevés, la configuration complexe des nœuds et le modèle de carotte et de bâton peu clair. Ça, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire exactement par la dernière phrase, là. Mais bon. Est-ce qu'on parle d'autres sortes de nœuds, peut-être? Il est très important que les données stockées sur la blockchain soient de haute qualité et cela ne peut être réalisé que par un calcul décentralisé. Le plugin y parvient facilement. Le plugin est respectueux de l'environnement car il est construit sur Xenfin Ecosystem. L'énergie qu'il consomme n'est qu'une fraction et nous arrivons à un consensus grâce à l'algorithme de preuve d'enjeu délégué. Je vais grossir un peu mon écran, je m'en viens plus. Ah, c'est ça. Et nous arrivons à un consensus grâce à l'algorithme de preuve d'enjeu délégué XDPOS. Donc c'est plus rapide et moins cher. Parce que c'est vrai que sur Xenfin, transférer des SRX, ça vous coûte quasiment un centième de millionième de cent. C'est une joke.
transférer sur Xenfin les SRX. C'est une vraie joke. Il n'y a rien à voir avec Ethereum. On est loin, loin d'Ethereum. Et même, je pourrais vous dire qu'on est loin de ce que ça coûte avec Sunbird aussi. Parce que Sunbird, c'est 0,05 Sunbird, ce qui n'est pas cher en tant que tel non plus. Oups, excusez. Mais sur Xenfin, c'est 0,0000012 XDC que ça coûte. Une joke. Une vraie joke. Donc, le plugin prend en charge différents cas d'utilisation tels que la finance décentralisée, les prévisions météorologiques, bon, ça, je n'avais pas compris encore, les données d'inflation et le domaine de l'assurance. Et nous menons constamment des recherches pour avoir un impact plus important dans les différents cas d'utilisation de l'industrie à venir. Pour vrai, le domaine de l'assurance, c'est super intéressant. Les données d'inflation, je ne sais pas dans quelles circonstances qu'ils vont les prendre, ces données d'inflation-là, c'est-tu par rapport au fiat, ce qui pourrait devenir vraiment intéressant, surtout dans la situation où on est dans le monde en ce moment, où ce que le gouvernement nous dit qu'on doit imprimer 15 trillions ne coûte rien. C'est là qu'on est rendu. Les prévisions météorologiques aussi, ça pourrait être intéressant. À la fin du vote, la période de jalonnement commencera. Pour chaque jour où votre BTR reste jalonné, vous continuerez à accumuler des récompenses qui seront toutes versées en une seule fois à la fin de la période de jalonnement. Vous pouvez déléguer votre BTR plus tôt si vous le souhaitez, mais vous recevrez moins de récompenses Vous pouvez dégeler votre BTR plus tôt si vous le souhaitez, mais vous recevrez moins de récompenses en conséquence. La mise pour cette pièce durera 7 jours et la cagnotte totale distribuée à tous les participants est de 150 000 plis. Et là, après ça, ils nous disent les dépôts pour plis seront disponibles le 14 octobre. Et s'il remporte le vote BTR, il commencera très bientôt à négocier avec une paire USDT. Si le dépôt est prêt pour demain, en général, il le donne une journée ou deux plus tard, soit dit en passant. OK? C'est l'information qui est cachée, on dirait, là-dedans. Prenez pas ça pour de l'argent, mais ça se peut qu'on le voit le 15, qu'on le voit le 14 demain. Le 15 le lendemain. Peut-être le 15 ou le 16, on va le voir arriver sur BitTrue. Le vote BTR est disponible dans l'application BitTrue, disponible à... Puis, soit dit en passant, si ça vous intéresse les plis, ben là, jusqu'à date, ils sont disponibles sur BitTrue. Fait que si vous voulez, n'hésitez surtout pas à utiliser mon lien de référencement en bas, qui vous coûtera absolument rien. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va prendre une partie des frais que vous donnez à BitTrue, puis ça va les donner à moi. Fait que chaque fois que vous faites une transaction, ça vous a coûté 50 cents, il y a une petite partie qui vient à moi au lieu d'aller à 100% à BitTrue. Fait que ça ne vous implique à rien, sauf encourager des gens qui vous donnent peut-être le prochain bon coup de node qui arrive. Parce que pour moi, franchement, un oracle sur Xenfin, c'est une des meilleures choses qui ne peut pas arriver au réseau Xenfin. Ici, il devrait arriver chez Globalience. Je ne connais pas cet échange-là, mais ils disent le 16 octobre sur Globalience. Sachez-le, 16 octobre officiellement sur Globalience pour le pli, soit dit en passant. Si vous ne connaissez pas et vous voulez les suivre sur Twitter, c'est @goplugin. Assez simple. Après ça, c'est leur site web ici. Quand même bien fait. En haut, on a Data Provider, Marketplace, Community. Fait que là, ici, ce qu'ils nous disent, si je traduis en anglais, je sais pas si on peut. On va voir, oui. Oracle décentralisé, sécurisé et évolutif, indépendant de la blockchain. C'est un petit peu ça. Là, ici, ils nous disent qu'il est présentement à 10 cents le pli en USDT. La rumeur veut qu'il en faudra... Avant de vous dire la rumeur, je vais vous dire la première rumeur. La première rumeur que j'ai entendue, c'est qu'il arrivait sur BitTrue mercredi. Aujourd'hui, mercredi, il a été annoncé en tant que vote
avec les BTR. Fait que la rumeur s'évalue, elle est valable en ce moment. La même, les autres rumeurs qui accompagnaient la rumeur qu'il arrivait sur BitChu le mercredi, c'était qu'il fallait 2000 plis pour créer une node, donc à 10 cents, 200$. Et c'était quoi l'autre, l'autre rumeur? Un blanc de mémoire. Ouais, c'est ça, qui était à 10 cents. Deuxième rumeur confirmée presque ici. Hein? Puis après ça, 2000 pour une node, donc 200$. C'est sûr qu'une fois arrivé sur BitChu, le premier moment qu'il va se vendre, le prix va grimper. Hein? Soyez sûr et certain de ça. À partir de là, si c'est 250-300$, est-ce que vous voulez arrêter ou vous voulez continuer? C'est votre décision à vous. Qu'est-ce que plugin? Oracle décentralisé, sécurisé, évolutif, blockchain, agnostique. La plateforme Oracle décentralisée fournit des solutions rentables à tout contrat intelligent exécuté sur Xenfin Ecosystem. Le plugin permet au contrat intelligent de se connecter au monde en temps réel et les données qu'il reçoit du fournisseur de flux de données sont fiables en maintenant un degré élevé de sécurité. Le calcul hors chaîne prend en charge la réception des flux de plusieurs fournisseurs et les regroupe. Le plugin est live sur Mainnet maintenant. Monétisez vos flux de données et vos API existantes en les vendant directement des contrats intelligents. Conçu pour les développeurs, voire sur GitHub. Téléchargez le livre blanc, le SDK, le Software Development Kit, est déjà sorti. Puis après ça, ça c'est la feuille de route. Donc, 2021 T1, lancement de produits ont commencé au premier trimestre. T2 de 2021, développement du produit a commencé au deuxième trimestre. Pas grand chose. Présent, go live dans testnet, trimestre 3. Et T4, préparation du réseau principal et intégration d'un nouveau fournisseur de flux de données, trimestre 4. Les tokenomics, je vais vous les donner sur le livre blanc parce qu'ils sont plus clairs à lire, parce que là, c'est genre des couleurs et tout. Les tokenomics, on voudrait l'avoir ici, tokenomics. Tokenomics 8.2, la page 11. 8.2. Donc, 18% aux promoteurs et les fondateurs. OK. Je pense qu'ils restent sous un smart contract puis sont libérés tranquillement, si je me trompe pas. Parce qu'en anglais, ils nous disent ici token under vesting period using smart contract. Je pense que c'est un. Ils sont mis dans un coffre puis ils se libèrent tranquillement. Je pense. C'est ce que j'en comprends. 2% qui va directement à l'équipe. La même chose, c'est sous un smart contract. 10% dans le placement communautaire, 10% de contingence, 40% est dans l'adoption de l'écosystème et les récompenses de développement, 5% dans les opérations technologie, 15% advisor, partnership, market making, listing exchange. Fait que 15% sert un peu à distribuer. Comme là, on voit l'exchange listing, on pourrait tout de suite faire le rapport avec 150 000 PLI pour BitChu, déjà là. Les advisors, c'est ceux qui donnent des conseils. Les partenaires aussi. Puis ceux qui font les market making. Je pense que c'est soit qu'il y a, peut-être c'est ceux qui amènent de la liquidité, peut-être. Prenez pas tout ça pour de l'argent. Mais en gros, c'est 500 millions de token supply. 500 millions. Il y a un proof of burn mécanique. Donc, ils vont éliminer des tokens supply. Puis, ça a l'air d'être inflationniste parce qu'il va y avoir des nouveaux plugins qui vont être créés. Ce qui fait que le proof of burn, la preuve de brûlage, va aider à maintenir le 500 millions. Est-ce que ça va monter tranquillement en inflation? Ce qui peut être très probable et n'est pas nécessairement malsain. Ça se peut. Fait que c'est ça en gros. Je vais vous mettre les liens dans la description.
Comme je vous dis, n'hésitez surtout pas à prendre les liens pour aller chercher BitTrue, hein, si vous ne l'avez toujours pas. Et sinon, j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé ma petite surprise à la fin. Si vous êtes encore là en train de m'écouter, dites-moi dans le commentaire que oui, vous avez aimé la surprise, justement. Ça va me montrer à quel point que les gens m'écoutent jusqu'à la fin, puis c'est le fun. Sinon, mais comme d'habitude, vous partagez, vous likez, vous laissez un commentaire, vous n'hésitez surtout pas. Hein? Ça l'aide ma chaîne de manière gratuite. Puis si vous aimez ce que je vous amène, ben ça me donne un coup de main moi aussi à continuer à vous amener des nouvelles, comme ceux-là. Fait que là-dessus, je vous laisse sur mon outro. Soit dit en passant, maintenant dans mon outro, j'ai écrit les membres de ma communauté YouTube. Donc, ceux qui ont adhéré comme étant membres défilent à la fin dans un genre de générique. Fait que là-dessus, je vous laisse pour l'outro. Et comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres, pour que les autres puissent mieux vous aimer. C'est aussi simple que ça. Un petit sourire dans une journée peut changer la vie de quelqu'un, pour vrai. Si, comme je dis tout le temps, vous baissez votre masque s'il faut pour faire un vrai sourire. Ça vous rend humain. On est toujours des humains. Fait que là-dessus, je vous laisse. Ah, je vous aime. Ciao!